Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Alors là, je suis pour le stade Bollard. Le soleil, il est bio. Le terrain, belle pelouse. Bon, aujourd'hui, on reçoit Clermont à 17h. Donc Clermont, c'est une équipe qui joue quand même le ballon, et qui, au ballon plutôt, désolé. Qu'ils ont un des meilleurs buteurs du championnat de France, Bayo, qui va jouer. Je peux pas trop vous dire sur Clermont parce que sincèrement Clermont c'est pas une équipe que je suis, donc bon, c'est normal. Donc mais bon, logiquement on va voir du football aujourd'hui. Pas comme la semaine dernière contre Metz. Que là on n'a pas vu de. On n'a pas vu de foot. Mais bon. Chaque match est différent et chaque qui est tout à fait normal. Donc bon. Ce soir, il faut les 3 points. Et bon, avec 3 points, il faut les 3 points. Mais bon, avec une équipe, avec des joueurs qui ne savent pas marquer des buts, ça va être compliqué quand même. Mais bon, on verra bien comment ça va se débrouiller. Donc ben, là, on est rentré tranquille au stade. Il n'y a plus de passe sanitaire. Donc ben, à part faire voir les tickets, le reste, il n'y a rien. Donc bon, ben. Jusque quand, ça je sais pas. Alors aujourd'hui on va avoir entre guillemets un nouveau maillot avec le drapeau d'Ukraine. Malheureusement, ben, y a la guerre et en espérant de tout cœur que ce Poutine arrête cette putain de guerre qui ne sert absolument à rien, mais bon. Après, je suis qu'un simple, une simple personne. Et je peux rien faire d'autre. Rentrée des deux gardiens. De toute façon, logiquement, il va mettre Farines. Ouais, c'est lui la semaine dernière, c'est pour l'ancienne semaine. Ouais. Farines, un match, zéro but. Leco, deux matchs, deux buts. Chocha, beau gardien, Michel Dimi. Prochain beau gardien. Il y en a qu'un, je suis. Ouais. Cette guerre. C'est honteux dans 2022 voir la guerre. Ouais. C'est grave. À cause d'un connard. Poutine. Bon, lui, il faut le tuer. Hein. Ouais, bah, si tu le tues, tu vas être tué avant. Ça sert à rien. Par contre, la journaliste a mis la pancarte et la ouais. Prison l'a ressortie puis elle avait pas envie. Et Macron a voulu la rapatrier en France, elle veut pas, voilà, raison. Hein. Et cette guerre va terminer si t'as ceux de l'armée qui disent bon, c'est bon, on arrête de machin. Parce qu'eux aussi, c'est des bouffons. Bah ouais. C'est des pourris aussi, eux. Comme d'habitude, les joueurs d'équipe adverse sont tout dire à l'avant. C'est 16h18.
Ouais. Par contre, l'ancien joueur Rodriguez, putain, lui, il était amputé. Ouais, c'est qu'on veut pas filmer. Les joueurs devant sont en train de... Mais ils sont pas là. Ça y est, ils arrivent. J'aime bien nos joueurs. Les joueurs vont 10 minutes, après il n'y a plus rien. Désolé. Désolé, j'ai éternué. Ça va pouvoir arriver. Même au meilleur.
Alors aujourd'hui, Medinoy est suspendu. Donc, dans très peu de temps, on va voir la composition qu'il va mettre, qu'il a mis. Donc, ils ne peuvent pas le mettre non plus. La saison, elle est moins longue qu'en France. Il vient de finir sa saison. Sincèrement, on comprend rien à ce qu'il dit, mais vraiment rien. Je peux pas vous dire, les amis, si clairement l'équipe, mais c'est rien, j'attends rien. Malheureusement. Mais bon. La composition du haut du grand Espoir qui a été pris pour deux matchs amicaux avec les espoirs.
Saïd, en espérant qu'il revient. Coach. Mais bon, aujourd'hui je m'attends qu'on donne tout et qu'on lâche vraiment les chevaux parce que il faut à tout prix qu'on gagne ce soir. Bon, il y a Migamago devant, en titulaire, en espérant que là il va jouer. Il va marquer des buts. D'abord, il y a super. Quelques Clermontois qui sont fait le déplacement. Tout ça sort, tout ça sort. C'est le. Non, on va avoir une belle ambiance ce soir. Je suis certain. Avec pervers, allez, lance-toi, allez, racis, sous les mêmes couleurs, les lance-toi, chante avec ferveur. Ça fait du bien de retrouver Polar qui chauffe, vraiment du bien, sincèrement. Ça y est, les joueurs sont rentrés. J'espère qu'ils donnent tout de la première seconde à la dernière seconde du match. Donc, mais ça va, ça, ça va chauffer dans les tribunes. J'en suis persuadé. Allez les gars, soit je mets à chanter, c'est tout le stade qui va t'enflammer. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez.
comme d'habitude, je reviendrai à la mi-temps pour vous dire ce que j'ai pensé. Bon, ils attaquent de notre côté. Faites-nous plaisir! Pas comme le match de Metz, on a bien dormi. C'est parti les gars! À tout à l'heure! Bon bah les gars, mi-temps, on mène 2-1 avec une chance du tonnerre. Franchement! Parce que sincèrement, sérieusement, on s'est fait bouger. On s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu. On se demande comment ça se fait qu'on arrive encore à gagner, à mener 2-1 à la mi-temps. Vraiment. Alors Farinet sur le but, il peut rien, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est con qu'il y a les collègues qui n'y vont pas. Malheureusement, les collègues, ils... Bon. Les mecs, ils en veulent pas, sincèrement. Réellement. En premier habitant, les mecs sont toujours... Les Clermontois, ils en veulent plus que nous. Mais réellement, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. Toi qui as vu le match, à mon avis, il va me dire la même chose. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu. Les mecs, nous, nos joueurs, ils en veulent pas. Heureusement que Donsou y a égalisé. Là, on a commencé à jouer. Mais sinon, avant qu'ils égalisent, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Les mecs, ils ont pas envie. Ils n'avaient pas envie de gagner. Alors, bon... Heureusement que Sotoka il marque le deuxième but à la fin de la première période. Bon, c'est vrai que il a joué avec intelligence. Intelligence, il a joué Sotoka. Il a bien fait, sincèrement. Il a bien fait de jouer comme ça. Mais les gars, en deuxième période, il faut voir autre chose. Hein. Il faut y aller plus. Il faut en vouloir plus, les gars. Sinon, ça va pas le faire. Hein. Mais bon, je suis un petit peu sévère parce que on mérite mieux. On mérite, dans le jeu, on mérite mieux, sincèrement. Pour la période, on ne s'est pratiquement pas battu, c'est ça qui est vénère. Par contre, nous les supporters, on a vraiment mouillé le maillot. Hein, à côté d'eux qu'ils n'ont pas mouillé. Donc bon, donc on verra la deuxième période, mais bon... Il faut des morts de faim en deuxième période. Il faut que nous, on a des morts de faim. Parce que, punaise, il faut à tout prix gagner. Toujours, faut à tout prix les 3 points. Je suis tellement énervé, désolé si je bafouille. Mais bon. Là, c'est la mi-temps. Tout simplement.
classe de reproche. En espérant que là, enfin on joue. Et bien enfin. Je crois qu'on va trembler jusqu'à la fin. Malheureusement. C'est parti, à tout à l'heure. Let's go.
peux filmer parce que c'est le match est terminé. Nous de la team radio, les tonnerres sont relevés, les tonnerres sont relevés. Tendez-vous, les supporters chantez, allez les soyons, allez, allez les soyons. Vous êtes les plus forts. Merci supporters, bien entendu vous avez un décor principe, vous savez ce qui se passe, alors on va dans le micro à Monsieur Klaus, c'est lui le maître de la cérémonie maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, ça fait du bien. Personnellement, ça ne m'a absolument pas plu, franchement, et vraiment, hein, je vous le dis franchement. Maintenant, deuxième, on a mieux joué,
même si Clermontois, ils ont encore tombé comme des merdes. Soit sincèrement, hein, pour arrêter un petit peu le délire. Les joueurs qui viennent là, qui viennent jouer contre nous à Bola, les mecs font que ça de se casser la gueule. Donc sincèrement, ça fait plaisir la victoire. Ça fait plaisir aussi que Jonathan Clauss y a été fêté comme il se doit. Je lui souhaite vraiment qu'il joue un des deux matchs ou même les deux matchs en équipe de France. Qu'il fait voir ce qu'il y a dans le ventre. Ce soir, on a été en ébullition. Sincèrement, on a bien joué. On a bien joué en deuxième période, hein, joué tout de suite. On a donné tout ce qu'on a prouvé. Quand on veut cette équipe, quand cette équipe elle veut, elle peut. Je vous le dis franchement, c'est qu'en première période on n'a pas joué. Maintenant on a été chercher cette victoire avec les tripes, qui fait vraiment du bien avant la trêve internationale. Bon, Cali il a rentré en deuxième période, mais bon, il a essayé de donner, mais bien. Par contre, l'ambiance, comme vous avez entendu, en espérant que YouTube il va pas me dématérialiser, parce que j'ai fait esprit de ne pas faire voir le match, hein, vous dites, à la fin. Donc ça fait plaisir. Donc maintenant on a 44 points. Les mecs calculés sont bons. Voilà, c'est terminé. Voilà, la vidéo est terminée. Cette victoire pas méritant en première période, en deuxième ouais, sincèrement, mais on a été au-dessus d'eux. Donc voilà, alors voilà, ma vidéo se termine. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera plaisir sincèrement. Donc ma chaîne elle monte. Et encore merci à ceux qui me suivent, ceux qui vont s'abonner. Et je suis content, sincèrement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et allez, lance. Et portez-vous bien.